Bonjour, c'est Grifox. J'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo de StarCraft 2. On joue contre un Terran, on est sur Croisement de Keros. Et on est sur un niveau de jeu à peu près diamant. Alors contre un Terran, je pense que l'ouverture en double adepte est compliquée. On va plutôt partir sur un draw par contre. Un build à base d'aérien ou un truc comme ça. On va voir ça assez vite. Hop! On fait les petits locks de caméra comme toujours. Alors je suis un petit peu deck parce que j'ai eu quelques petits soucis de record. Là j'ai voulu faire des parties avant et en gros j'avais un problème d'IPS. Je jouais avec 3 IPS, autant vous dire que c'était pas génial. Donc bah, j'ai reboot le PC et ça devrait aller à peu près. Mais le souci c'est que du coup bah, y a eu 3 parties que j'ai voulu faire en record et que bah, j'ai dû quitter à cause des paramètres. Et du coup ça a fait un peu baisser mon MMR qui avait commencé à monter, donc c'est un peu dommage, mais bon c'est pas la fin du monde. Hein. Ça va remonter tranquillement. Hop, on va mettre le petit chrono boost, aller poser le gaz. Tac, ensuite il va falloir que j'aille scouter assez vite. Bah je pense que lui il va partir en scout en fait. Hop. Ensuite lui il va aller sur la B2. Et ensuite on va... ouais je vais poser la B2 direct en fait. Hein. Je vais juste être attentif à avoir un stalker qui sort assez vite. Parce que sinon je peux avoir un petit problème de faucheur en face. Je vais juste venir voir un petit peu ce qu'il a. Parce que je peux avoir un proxy un peu embêtant. Hop, voilà, toi parfait. Tu nous mets un petit noyau ici. Et tu vas venir nous prendre la B2. Alors on a quoi en face? Alors effectivement, là on est sur a priori quelque chose de très agressif en face. Donc je vais tout simplement venir me blinder. Tac, comme ça. Là il y a clairement un proxy, il y a clairement un proxy quelque part en fait. Il va me falloir également plus de production d'unités. Hop là, on va voir si on arrive à tenir ce petit push qui me met quand même un peu mal. Non, mais il faut pas qu'il termine en fait. Oh, il a terminé, je suis deg. Putain, je voulais pas qu'il puisse terminer. J'ai mal géré mon clic. Là, je suis pas bien, clairement. Récolté! Est-ce qu'on a tenu? On a tenu, je ne sais pas comment. Vite poser une forge. Ok, bon, on a tenu. Je sais pas trop comment. Je suis vraiment deck pour la micro de Daube là. Il aurait jamais dû pouvoir poser le bunker en fait. Ça, c'est vraiment une erreur de ma part. J'aurais voulu faire en sorte qu'il le pose pas. Ah oui, d'accord, on est là-dessus. Bon, jusque-là, on va dire que je tiens à peu près. Moi, il va clairement me falloir de la production d'unités. Ok, jusque-là, je survis. Tac, ça tombe. Il essaie juste de me retarder ma B2. Et je m'en sors. Et je pense que bon, là j'ai vraiment pris un énorme retard. Il m'a fait des gros dégâts, mais d'un autre côté. Bah lui il était sur une base avec peu de tech en face hein, donc je suis pas tellement derrière au final. En théorie du moins. Il va me falloir un petit peu de vision, je vais me faire deux sentinelles. Ça devrait être pas mal. Là maintenant il me faut vraiment que je blinde une B2. Il va me falloir de la prod. Je pourrais presque essayer un contre-push direct. Mais ce serait peut-être un peu ambitieux. Je suis pas sûr du niveau qu'il a en face d'avancement là. Donc je vais attendre d'avoir de la vision, en attendant je vais essayer de faire la charge assez vite.
Ce serait bien aussi que je me fasse des petites batteries shield pour le recevoir éventuellement. Si des fois il voulait repartir sur un autre push. On va se faire le plus 1 d'attaque. Faut que je fasse gaffe au drop. Hein. Ça peut drop sur moi. Alors est-ce qu'il essaie de m'attirer dans des tanks? Ça c'est un peu la question. Ok, je vais enfin pouvoir avoir un peu de vision. Je vais déjà essayer de trouver à peu près où il est. Hop, on va faire une batterie. Je vais mettre un canon ensuite, dès que je pourrai. Bon, ça m'a l'air pas trop mal. Je pense que je m'en suis à peu près sorti. Mais ça a été un peu tendu là. Vraiment, le fait qu'il ait posé le bunker, je me sens un peu bête. Hein. J'aurais pas dû laisser ça passer. Mais bon, c'est fait. Ah mince, mon phoenix a pas duré assez longtemps pour que je puisse avoir la vision. J'en renvoie donc un. Moi, je vais faire la charge. Je vais même lancer le blink. Je vais faire les deux. Je vais poser un robot. Enfin, une robot plutôt. Tac. Et je vais essayer de partir sur de leur compte assez vite dès que j'aurai l'info sur ce qu'il y a en face. Ok. Un petit souci. En fait, il est arrivé juste au moment où il fallait pas qu'il vienne. Putain, je pensais pouvoir lui mettre des shots sur ses unités avec ses mines. J'ai pas pu. Et là, j'ai pas de quoi produire assez d'unités. Faut pas qu'il prenne le canon, faut surtout pas qu'il le prenne. Ok, il micro pas bien. Enfin, il micro pas bien. Il m'a quand même niqué, hein, mais il aurait pu focus le canon un peu plus vite. Non, je vais me faire éclater les récolteurs, putain. J'ai pas posé assez de tech assez vite en fait, c'était pas bien joué de ma part. Très mauvaise gestion de ce qu'il m'a envoyé ici. Et là les maraudeurs qui me ralentissent, et en fait c'est parce que j'ai pas la charge. Hein. La charge, la voilà, elle arrive seulement maintenant. J'aurais eu la charge, ça aurait tout changé. Bah écoutez, très mauvaise gestion de ma part, je pense que j'ai après le push, j'étais pas si mal, j'aurais pu faire des choses. Mais là, j'ai trop mal géré en fait, hein, tout simplement. Ok, là maintenant j'ai la charge, mais j'ai plus d'écho, donc c'est fini. Bon, bah, c'était quand même intéressant. J'espère que cette petite partie vous a plu. On a quand même pu voir un petit peu une méthode de jeu assez sympa en face. Et une réponse trop désynchronisée de ma part. Il aurait fallu en fait que j'ai mon deuxième stick de gate et ma charge quand il est arrivé. Et en fait, c'est dû au fait que le phoenix que j'ai envoyé, je l'ai fait faire un peu des zigzags avant d'arriver dans sa base, et du coup, j'ai été trop lent. Il aurait fallu que je le voie direct en face. Ça se trouve, il était que sur une base et je pouvais encore le tenir largement. Mais là, c'est mort. On va dire un petit GG. C'était quand même intéressant comme partie. Et je pense que je m'en serais bien tiré avec une meilleure gestion. Tant pis. Tant pis, tant pis. Je vais juste regarder s'il avait une base ou deux, parce que j'ai un doute là-dessus. Et s'il avait une base, clairement, j'aurais pas dû la perdre. Hein. Ouvrier actif. Taux de récolte. Ouais, non, il devait être sur deux bases quand même. Mais je pense vraiment qu'avec une meilleure gestion, je le tenais sans trop de soucis. Et là, on voit qu'il a pas arrêté de produire de l'unité, en fait. Pendant que moi, j'ai un peu stagné, j'ai été trop lent. Alors que pourtant, au niveau de l'écho, j'étais au-dessus. Hein, vous voyez, moi, en rouge ici. Si j'avais un peu mieux investi en écho, et puis la tech elle est un peu trop tardée, voilà, c'est la charge qui aurait dû être un peu en avance, mais sinon il aurait fallu que j'ai voilà, mes portails, les canons posés, un tout petit peu d'avance sur la charge, et c'était plié. Bref, voilà, fin de cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, si c'est le cas vous pouvez liker, partager, commenter, vous abonner. Moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, prenez soin de vous, et à bientôt.